C'est quoi la société qu'on veut? Où voulons-nous aller? Où aimerions-nous aller, hein? Ce sont les quelques questions auxquelles on va tenter de répondre au cours de débat. On est en train de passer dans la deuxième moitié de l'échiquier. C'est ce que j'appelle le scénario de la révolution technologique. Nous allons être obligés de prendre de plus en plus de risques pour la liberté d'expression. On peut se poser la question, est-ce qu'on est à un point de bascule? Est-ce qu'on est perdu? Bonjour et bienvenue à tous pour le Festival des idées Paris, la 6e édition qui a commencé hier soir autour du thème « Réparer le futur » et qui continue aujourd'hui et demain. Merci à La Bellevilloise qui nous accueille aujourd'hui et à Grand Contrôle qui nous accueille demain. J'espère que je suis content qu'on soit là entre nous et aussi en ligne. Plusieurs personnes peuvent nous suivre en direct sur Internet. Écoutez, je ne vais pas être plus long. Je remercie tout de suite Alain Gras, Bernard Laponche et Jennifer Gallé pour cette rencontre « Un futur électrique ». Alors, c'est quoi à nouveau le titre exact? Mauvaise idée? Oui. Dans une impasse? Ah, pourtant, c'est moi qui l'ai écrit, mais bon, voilà. Merci et bonne rencontre à tous. Oui. Eh bien, merci Thomas et bonjour à tous. Merci d'être là un vendredi après-midi, de vous être libérés et de nous avoir rejoints. Donc l'idée aujourd'hui, là, c'est d'avoir une discussion. Alors, on est un peu pris par le temps parce que, en fait, comme il y a beaucoup d'événements qui se succèdent au Festival des idées, nous avons 45 minutes et il faut qu'on tienne ce timing parce qu'après, il y a d'autres débats qui s'organisent et je vous invite à les suivre également. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on ait on va avoir un échange avec Alain et Bernard pendant une bonne trentaine de minutes et ensuite on se gardera un quart d'heure pour les questions. Je suppose qu'avec ce type de sujet, elles seront nombreuses et pour permettre d'avoir des questions qui puissent être traitées et d'essayer d'en avoir plusieurs, on a mis en place un petit dispositif avec Antoine qui est là, avec vous dans la salle et qui va vous distribuer des papiers et vous pourrez, si vous en avez bien sûr, écrire votre question sur ces papiers et ça permettra en fin de rencontre et bien de pouvoir lire ces questions et d'en choisir quelques-unes pour éviter de perdre trop de temps et de pouvoir profiter de l'expertise de nos deux invités que je vous présente maintenant. Alors à ma gauche nous avons Alain Gras, vous êtes socio-anthropologue, vous êtes professeur émérite des universités, vous êtes rattaché à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et on vous doit la parution récente d'un ouvrage au Seuil en 2021 qui s'appelle « La servitude électrique, du rêve de liberté à la prison numérique » que vous avez coécrit avec Gérard Dubey. Bernard Laponche, bonjour, vous êtes physicien nucléaire et ancien ingénieur au CEA. Vous êtes consultant international pour les questions énergétiques et vous êtes aussi membre très actif au sein de l'association Global Chance. Et vous avez écrit notamment en 2011 un ouvrage qui s'appelle « En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment ?». Rien qu'avec ces deux titres d'ouvrage, je crois que le débat est assez bien situé. Nous allons essayer de voir quelle place à l'électricité dans nos sociétés à l'heure actuelle, mais aussi quelle place elle va avoir dans le futur. On a le sentiment à écouter les prévisions des économistes que cette place va être de plus en plus prépondérante. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'il faut questionner cette prépondérance? Mais pour avoir un peu les idées claires, Bernard Laponche, j'aimerais bien que vous nous disiez un peu, en gros, l'électricité aujourd'hui, sa production, sa place, qu'est-ce que c'est dans le système énergétique? Merci. Alors, la place de l'électricité, c'est assez curieux. En France, quand on parle d'énergie, on parle très vite d'électricité, et quand on parle d'électricité, on parle de nucléaire. Et tout de suite, le débat part sur le nucléaire. Alors, je reviens à l'énergie. Qu'est-ce qui est important dans la question de l'énergie? C'est d'abord ses usages. c'était ce qu'on appelle l'utilisation, la consommation finale d'énergie, qui se répartit entre les différents secteurs d'activité, les activités productives, l'industrie, les transports, l'agriculture, et puis les activités, je dirais, plus consommatrices, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve dans les bâtiments, avec les bâtiments résidentiels où on habite et les bâtiments de bureaux, avec les activités tertiaires. Donc ça, ce sont les secteurs de consommateurs final. Alors, la consommation d'énergie, c'est très large, et on le sait très bien, vous avez les produits pétroliers avec l'essence, le fuel lourd, etc. Vous avez le gaz, qui peut servir pour le chauffage, la cuisine et dans l'industrie. Vous avez l'électricité, et puis vous avez éventuellement ce qu'on appelle les énergies renouvelables thermiques, c'est-à-dire le bois ou les déchets, en particulier pour alimenter les réseaux de chaleur. Donc ça, c'est le côté de la consommation. Et de quelle façon cette consommation se répartit en fonction des produits énergétiques? Eh bien, le principal, ce sont les produits pétroliers, c'est à peu près 50%. Ensuite, vous avez l'électricité, à peu près 24%, puis le gaz, 19%, et puis très peu le charbon, presque 0% en France de consommation directe du charbon. Et puis, vous avez les énergies renouvelables thermiques, c'est-à-dire essentiellement le bois et la biomasse, et un petit peu les chauffe-eau solaires. Donc, on voit que l'électricité représente 24%. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que c'est très intéressant de discuter de l'électricité, mais il faut voir que quand on essaye de voir quel est le futur, il est très important de regarder l'ensemble énergétique. Et d'ailleurs, la question principale qui se pose, c'est bien la réduction de la consommation, parce qu'on gaspille de l'énergie et que cette énergie, de toute façon, quelle que soit son origine, qu'elle soit importée comme les produits pétroliers, etc., ou l'uranium, ou qu'elle soit produite localement, elle coûte de l'argent et en général, elle a des inconvénients du côté de l'environnement en particulier. Donc la première chose pour le futur, réduire la consommation d'énergie par ce que l'on appelle la sobriété et l'efficacité, c'est-à-dire en particulier de ne pas gaspiller l'électricité dans l'éclairage, dans le chauffage, dans tous les usages habituels, sachant que si je regarde la consommation d'électricité, on vous dit toujours qu'il nous faut beaucoup d'électricité, d'une part pour l'industrie, d'autre part pour les transports, les TGV, les métros, les tramways, etc. Eh bien, il faut voir que l'industrie, c'est à peu près 25% de la consommation d'électricité. Les transports, c'est 3%. Et ça, tout le monde est sidéré quand on donne ce chiffre, parce qu'on est tous persuadés que les transports consomment beaucoup plus. L'agriculture, c'est 2%, ce qui veut dire que 70%, c'est dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Et là, ça se partage entre une partie de chauffage électrique, qui est très développée en France, contrairement aux autres pays européens, et ce qu'on appelle les usages spécifiques, c'est-à-dire l'éclairage, l'électroménager, l'audiovisuel, les appareils informatiques, etc. Et c'est là que réside un potentiel d'économie considérable. Donc pour terminer, très rapidement, l'objectif de la France, l'objectif dans la loi, c'est de diviser par deux la consommation d'énergie finale, tout ce que je vous ai présenté, en 2050, et moins 20% en 2030. Par contre, il n'y a pas d'effort pour le moment sur les économies d'électricité pour les raisons qu'on verra. Merci pour cette première mise au point. C'est vrai qu'on est souvent, on se dit souvent qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais là, grâce aux chiffres que vous nous donnez, de nous dire que 75% voilà, peut être, ce sont dans les bâtiments qu'on occupe à titre personnel ou quand on va travailler, ça donne déjà une perspective d'action, c'est vrai, qui est assez, je trouve, qui est assez dynamique. Alors, Alain, moi j'avais une autre question que vous avez commencé, Bernard, un peu à aborder sur comment c'est produit tout ça, comment cette électricité elle est générée. Alain, vous avez publié là récemment sur notre site theconversation.fr un article au titre provocateur, hein, ça s'intitule « L'électricité, ce mensonge phénoménal ». Et tout votre argument, c'est de nous expliquer que, en fait, c'est un peu comme un arbre qui cacherait une forêt, que l'électricité, ça n'a rien d'anodin, même si elle nous aide et qu'elle nous parvient un peu de façon magique. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ça, le mirage d'une production électrique qui serait sans impact? Avec le micro. Ah, pardon. Merci. Oui, bon, bien sûr, volontiers. Le problème, c'est que ce que vous dites, c'est que l'électricité, elle apparaît comme une fée, puisqu'on l'a appelée comme ça dans l'exposition universelle de 1888, je crois. Et c'est resté. Mais c'est une fée vêtue, comme dit le poète, de lin blanc et de probité candide. Lin blanc, j'en sais rien, mais probité candide, oui, on dirait plutôt verte aujourd'hui. Et donc, je pourrais commencer par montrer ce qu'est l'électricité et la manière dont elle cache la vérité. Parce que tout le problème est là. Elle n'est pas une énergie, on vient de le dire, elle n'est pas du tout une énergie. Donc pour être produite, il faut qu'il y ait un intermédiaire avec la réception du soleil, c'est-à-dire les fossiles ou le gaz, etc. Donc en soi, ce n'est pas quelque chose qui est vertueux. Ce n'est pas vertueux, il faut bien le comprendre, bien que cela nous apparaisse comme cela. Alors pourquoi? Par comment ça commence? Et justement, le début, c'est l'éclairage. Edison, il invente le filament sous vide, très bien, en 1881, à Menlo Park. Et qu'est-ce qu'il fait pour promouvoir cette électricité qui était en fait concurrente du gaz? Et ça a duré très longtemps, hein, elle a emporté sur le gaz qu'une trentaine d'années plus tard. Donc elle était concurrencée par le gaz. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a équipé un millier de foyers dans Pearl Street, qui est une rue très chic. De New York. De New York, oui, pardon, de New York, près de Wall Street, et des intérieurs bourgeois avec ces lampes à incandescence sous vide. Et à ce moment-là, ça a été une merveille, effectivement, qui a été constatée dans ces intérieurs, parce que les tapisseries, les tableaux n'étaient plus détériorés par la suie qui accompagnait le gaz qui brûlait. Et c'était fantastique. C'est une énergie qui n'avait pas donc de conséquences négatives. Cet éclairage était tout à fait sain. Sauf que dans l'Hudson River, à 3-4 km, il y avait 5 tonnes, il y avait deux usines hein, thermoélectriques, il y avait 5 tonnes qui étaient de scories qui étaient jetées dans l'Hudson River chaque jour. Donc en fait, ça a simplement délocalisé la pollution. On le dit aussi pour nos matériaux, quand on décolle aussi ailleurs la pollution hein, de la production de ces matériaux. Mais l'énergie, ça a été la première expression de la délocalisation absolue. Et donc la pollution, elle est toujours là, simplement qu'elle n'est plus sur place. Ainsi, on a l'impression qu'elle est vierge de toute nuisance. C'est ça la grande astuce de l'énergie pour se présenter comme un remplacement de toutes nos énergies qui polluent. Sauf qu'elle est produite par ces énergies qui polluent. Et en particulier le nucléaire. Le nucléaire, il pollue avec des effets négatifs qui seront à très très long terme. Donc, quel que soit le type de pollution, immédiate avec le charbon et le CO2, plus long avec la radioactivité du nucléaire, mais dans tous les cas, cette fée électricité, elle est extrêmement nocive. Bon, il ne faut pas exagérer, bien sûr, elle a énormément d'avantages, et je veux bien discuter des avantages, mais il faut d'abord partir de l'idée qu'il y a derrière quelque chose qu'on ne voit pas et qui nous touche, qui nous atteint, dans notre milieu et qui nuit à notre milieu. Voilà, donc c'est ça la question du mensonge phénoménal. C'est quand le messianisme électrique, aujourd'hui, nous avons un messianisme électrique. Vous avez encore vu Le Monde hier, les centrales nucléaires, etc. On vient d'en parler. On ne pense qu'à l'électricité comme une solution. Ce n'est pas une solution. Voilà. Merci Alain. Alors, sur les questions à la fois de ça cache, en fait, la façon dont c'est produit. Aujourd'hui, on est dans une période où on nous dit qu'on va produire vert, on va produire de l'électricité avec des origines qui seront moins nocives que les énergies fossiles. Alors, Bernard, moi, j'avais une autre question qui est liée à ce constat qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on a un constat à la fois de quelque chose qui est comme oblitéré, c'est-à-dire on ne voit pas forcément toujours l'origine de cette production qui pose problème, comme vous venez de nous l'expliquer, mais on est aussi à un moment où il y a une promesse de produire de façon moins impactante cette électricité. Et il y a une autre question aussi qui est liée à ça, c'est qu'il y a un boom, de la consommation électrique qui est promis avec l'usage notamment du numérique. On peut penser aussi au développement de la mobilité électrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur le fait que c'est problématique et en plus, ça va certainement le devenir encore plus puisque ça va exploser en termes de consommation. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Bernard Laponche ? Ah, on peut en dire beaucoup de choses. Malheureusement, il faudrait... Il y a deux aspects dans la question. Il y a le premier aspect que j'ai déjà abordé et qui a été confirmé par Alain, c'est la question de la consommation. Et la question de la consommation est vitale. Quelle que soit la façon dont on va produire l'électricité et en général l'énergie, le premier impératif, si on veut justement lutter contre le changement climatique, lutter contre les pollutions locales, etc., c'est de réduire la consommation d'énergie. Ça, c'est clair. Et on pourrait dire que tout le monde s'accorde là-dessus, y compris la loi française. Donc, on regarde du côté de la production. Effectivement, les productions d'électricité peuvent être de nature très différente. Vous avez une production directe d'électricité. C'est les rayons du soleil qui tape sur des panneaux photovoltaïques et vous avez une production directe d'électricité sans risque d'accident et sans déchets radioactifs ou autres. Bon, donc ça, c'est une chose qui est assez récente, le photovoltaïque, et qui est la façon la plus simple et qui devient la façon la moins chère, en tout cas au niveau mondial, de très loin, de produire de l'électricité et qui se développe énormément partout et assez difficilement en France. Les deuxièmes productions, c'est des productions à partir de ce qu'on appelle les centrales thermiques fossiles, à partir du charbon, du gaz, du pétrole. Et là, tout le monde est d'accord, à cause du changement climatique, il faut réduire considérablement ces productions. Puis vous avez une autre façon de produire de la chaleur, qui est à partir de cette chaleur produire de l'électricité, c'est l'énergie nucléaire. Alors, qui peut paraître assez miraculeuse, puisque à partir de quantités relativement faibles d'uranium, à travers la fission, les réactions en chaîne, on produit de la chaleur, pas autre chose. Donc c'est comme une centrale à charbon. Simplement, au lieu de faire brûler du charbon, on fait fissionner de l'uranium et on produit de la chaleur. À partir de cette chaleur, avec un rendement d'un tiers, c'est-à-dire pas très bon, on produit de l'électricité. Donc ça, c'est très bien. Le revers de la médaille, c'est que les réacteurs nucléaires sont dangereux. Et on continue à dire, l'autorité de sûreté nucléaire nous dit qu'un accident grave comme Fukushima ou Tchernobyl est possible en France. Donc il faut quand même se dire ça en introduction des débats. Deuxièmement, vous produisez des déchets radioactifs qui sont très dangereux actuellement, mais dangereux aussi sur des très longues périodes. Donc réduction le plus rapidement possible du nucléaire. À ce moment-là, si vous avez convenablement modérer la consommation d'électricité, on peut répondre très facilement, et c'est ce qui se fait dans pas mal de pays actuellement, y compris la France, mais à un degré moindre, avec les énergies renouvelables, c'est-à-dire essentiellement l'hydraulique. Il y en a déjà pas mal, mais surtout l'éolien et le photovoltaïque. Donc vous voyez, si on couple bien la réduction des consommations par les économies et la production par les énergies renouvelables, c'est jouable. Et vous avez ce qu'on appelle le scénario Negawatt, qui le montre de façon assez relativement facile. Inversement, si on ne fait pas des économies d'énergie, à ce moment-là, on aurait une augmentation de des consommations qui n'est pas automatique, qui n'est pas obligatoire. Mais si vous augmentez les consommations, à ce moment-là, on vous dit qu'on a aussi besoin de continuer le nucléaire. Donc, voilà, le problème se pose de cette façon-là, c'est-à-dire réduction des consommations tout en respectant les usages. On va pas mettons, on peut arrêter les gaspillages. Regardez tous les panneaux de pub dans le métro. Bon, ça sert à rien. Ou dans les villes, on peut les supprimer et ça représente des quantités énormes de gaspillage, tout simplement, publicitaire. Et donc, on peut... On pourrait faire une séance entière sur l'ensemble des choses sur lesquelles on peut faire des économies d'électricité et donc réduire la production. Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette question du numérique, Alain, parce que là, vous nous expliquez qu'on peut agir sur le levier de la consommation. Alors, on pourrait, je ne sais pas si on aura le temps, parler aussi de l'efficacité, en fait, parce que là, on parle de la sobriété, de l'efficacité aussi. Mais sur la question aussi de ce recours à l'électricité qu'on a et qui se dessine quand même dans ce futur numérique qu'on voit partout à l'œuvre et qui nous apparaissent comme une nouvelle promesse aussi, hein, parce que ce recours à tous ces appareils connectés qui ont besoin d'être chargés très régulièrement, toutes ces transmissions qui se font via Internet, d'échanges, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est absolument dynamique dans notre époque et qui n'a pas l'air, qui ne va certainement pas se calmer. Alors Alain, sur ce désir-là de numérique et sur ses implications par rapport à cette consommation et à ses impacts, comment vous voyez les choses ? Oui, c'est un problème très, très grave, très lourd, parce que c'est un problème qui concerne toute notre société. La construction de la démesure. C'est-à-dire qu'avec l'électricité, vous avez l'exemple le plus flagrant, et surtout avec l'électronumérique, de ce qu'est un macrosystème technique. C'est caractéristique de la modernité, disons, de l'anthropocène. Ça a commencé avec le train. Le train, on a un chemin de fer, et puis pour arriver à réguler les flux, il y a des centres de régulation qui se mettent en place grâce au télégraphe. Déjà, association entre la mobilité et l'électricité. Puis ensuite, c'est un petit macrosystème technique qui se met en place. Et ensuite, ça s'est développé comme ça. Nous sommes continuellement intégrés dans des systèmes techniques sur lesquels nous n'avons aucune prise. Et avec l'électricité, on va au maximum. Déjà, quand on parle d'électricité, de la production nucléaire en France, nous n'avons aucune action là-dessus. Nous sommes des citoyens qui sont des consommateurs, mais absolument pas des acteurs. C'est pas comme avant, avec le charbon, on avait le bougnat qui venait et on voyait les traces sur le sol, on savait que l'énergie avait un sens. Là, le charbon, il fabrique l'électricité, ou il fabriquait en France, mais ailleurs il le fait, il fabrique l'électricité, on ne le voit pas. Et on a l'impression que cette énergie donc n'est pas nuisible. Ça, c'était ce que je... Alors, il y a autre chose, c'est que ça s'insère donc dans de grands systèmes techniques qui ne sont absolument pas atteignables, dont le fond des problèmes n'est pas atteignable par le citoyen, et c'est discuté en haut lieu par la technostructure. Donc c'est vraiment un exemple type de la technostructure qui s'accompagne d'une maîtrise totale des comportements des citoyens. On a parlé du numérique. Le numérique, c'est évidemment l'accomplissement, je dirais, ultime de cette macrosystémisation du monde. Parce que là, c'est le monde entier qui devient un macrosystème technique. Il est un macrosystème technique par les flux de matériaux qui voyagent dans le monde entier, mais par la manière dont nous sommes connectés. Nous sommes connectés à des grands systèmes qui prennent une partie de nous-mêmes. C'est ça la servitude électrique. Nous sommes des serfs ou des esclaves, parce que des esclaves conscients d'être des esclaves parce qu'on a le confort. Mais on est totalement dépendant maintenant des GAFAM pour tout ce que nous faisons. Et est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça être humain que d'être dépendant de gens dont nous ne savons pas du tout ce qu'ils font et pourquoi ils le font? Donc ils nous insèrent dans un système de progrès qui est pensé à travers l'innovation. Innovation, 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 on n'entend que ça. Encore le président l'a dit il n'y a pas longtemps. Mais cette innovation, elle est très électrotechnique, elle est très électronumérique. Et donc on s'enfonce de plus en plus dans un bourbier qui nous lie à quelque chose sur lequel nous n'avons aucune possibilité d'action. Et c'est contre ça qu'il faudrait peut-être réagir, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment on pourrait faire parce que nous sommes vraiment ensevelis dans les connexions et totalement dépendants d'un avenir que nous ne pouvons pas imaginer. Nous ne pouvons plus l'imaginer, l'avenir. C'est quand même grave, ça. Parce qu'on l'imagine à travers l'innovation électronumérique. Donc, l'électricité, qui est quelque chose d'artificiel, une production artificielle, ça n'existe pas, l'électricité sur la Terre. C'est le courant électrique, c'était le pouvoir des dieux, c'était la foudre. Donc, nous sommes enfermés dans un monde qui est de plus en plus artificiel. Et voilà un des aspects que je pourrais développer, mais c'est un peu... En fait, il y a une chose là, je pense, qui est importante. Je vois que le temps file. C'est vraiment frustrant d'évoquer ces problématiques très complexes en peu de temps. Mais essayons de revenir, peut-être Bernard, en liant la question que vous souleviez de l'innovation. Il y a de l'efficacité, on peut innover, on peut trouver de nouvelles solutions, on peut construire des mini-réacteurs nucléaires, comme ça a été récemment annoncé. Alors, pour lier cette question de l'innovation justement au regard du nucléaire, parce qu'en France, quand même, c'est quand même présenté comme un secteur extrêmement de pointe et sur lequel on pourrait se reposer justement pour produire cette électricité en étant autonome au niveau énergétique, en n'ayant pas peur parce que tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Deux choses. La première, c'est que les histoires de petits réacteurs, ce sont à nouveau des réacteurs nucléaires qui sont fabriqués avec de l'uranium et qui produisent des déchets radioactifs, donc à écarter. D'autant plus que le rêve étant d'en mettre en particulier en Afrique, et ça serait absolument scandaleux parce que ce sont des pays qui n'ont pas la capacité de contrôler et de suivre et de gérer correctement cette industrie qui est quand même extrêmement dangereuse. Donc, exit le nucléaire. Alors, à la place, et pour répondre à l'intervention précédente, il y a quand même un système qui commence à fonctionner. C'est la production locale d'électricité avec les panneaux photovoltaïques qui dépendent. Vous installez des panneaux photovoltaïques sur le toit ou sur les hangars près de chez vous. Et ça fait une production qui n'est pas liée ni à la production d'uranium au Kazakhstan, ni à la production de pétrole ou de gaz en Sibérie. Donc c'est une production locale que vous pouvez très bien maîtriser, c'est-à-dire que vous pouvez même fabriquer en France des panneaux photovoltaïques. C'est pas si compliqué que ça. Et donc c'est une solution qui est relativement simple et que vous pouvez très bien coupler à votre propre consommation. Et on se rend compte que dans les endroits où cela se fait, moi je connais des gens qui font ça, forcément c'est le couple. Ils maîtrisent le couple production-consommation. Alors que, Alain a raison, actuellement, la partie production, il y a seuls les gens qui sont autour des centrales nucléaires qui les voient, mais on reçoit l'électricité comme si c'était un don de Jupiter, justement. Alors, par conséquent, le développement des énergies renouvelables locales, ça peut être des éoliennes, ça peut être du photovoltaïque, dans certains cas, ça peut être des petits barrages, mais actuellement, c'est surtout l'éolien et le photovoltaïque qui sont intéressants du point de vue technique, mais aussi du point de vue des coûts, parce que les coûts du photovoltaïque ont baissé de façon considérable. Et donc, ça devient, en plus, par rapport au nucléaire, non seulement moins dangereux et pas de production de déchets, mais aussi beaucoup moins cher. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, les vantardises, en particulier de notre président sur le nucléaire, sont quand même assez audacieuses, parce qu'en fait, il s'agirait de construire des réacteurs qui fonctionneraient en 2030 ou en 2040, à un moment donné, où il serait 3 fois plus cher que les sources renouvelables. Donc il faut avoir confiance dans cette idée qui est défendue par le scénario Negawatt, dans lequel la consommation d'électricité n'augmente pas, au contraire diminue, et on peut, à travers des productions en grande partie locales d'éolien et de photovoltaïque, compenser ce côté complètement éloigné des gens, des citoyens, du système actuel. Mais Bernard, on n'a pas l'impression qu'on en prend le chemin, là, en France? Parce que les derniers discours qu'on a entendus quand même de la personne qui prend les décisions, notamment en France, c'est on va relancer des EPR, on va... Oui, le président a dit ça, c'est une promesse de campagne, il faut voir après qu'est-ce que ça donne. Ça coûtera une fortune et beaucoup plus cher que les solutions alternatives. Et si on continue à s'obstiner là-dedans, moi, j'y peux rien. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut arriver à convaincre les gens qu'on peut faire autrement. Parce qu'on leur donne l'idée que la seule solution, c'est de faire du nucléaire, c'est de faire des petits réacteurs, etc. Oui. C'est de la blague. Voilà, c'est tout simplement... un mensonge d'État. Mais est-ce que notre pays peut dire adieu au nucléaire, vu qu'on est quand même sur ce... Notre pays peut dire adieu au nucléaire. On a écrit un livre là-dessus, vous l'avez cité. on peut arrêter les nucléaires qui étaient prévus. D'abord, il était prévu à vivre 30 ans, maintenant on a poussé à 40 ans. On peut arrêter les réacteurs nucléaires à 40 ans, ce qui est fait dans le scénario Negawatt, et en parallèle faire les économies d'électricité et en parallèle développer les énergies renouvelables. C'est faisable. Oui, c'est faisable. Est-ce que l'intérêt de beaucoup de gens au niveau économique et même institutionnel à promouvoir cette énergie, c'est aussi quand même quelque chose qui est... Enfin, dans nos échanges préliminaires, vous évoquez vraiment concrètement le fait que beaucoup de gens décisionnaires sont liés à cette énergie. C'est quand même quelque chose de compliqué aussi à démanteler, ça. C'est très compliqué. Ouais. Voilà, la classe dirigeante française est pro-nucléaire. Mais il faut comprendre que ce n'est pas basé sur une analyse ni scientifique, ni raisonnable, ni même économique. C'est basé sur une espèce de vision qu'on pourrait qualifier de gaullienne, si on veut, sur la grandeur de la France, le fait qu'il faut absolument avoir la bombe atomique, le fait qu'il faut absolument développer les centrales nucléaires. Mais le substrat scientifique, technique et économique disparaît actuellement à grande vitesse. L'aspect technique, on a loupé complètement la construction de nouveaux réacteurs, l'EPR, qui devait démarrer en 2012, il n'a toujours pas démarré. Non seulement en France, mais aussi en Finlande et en Chine, il y a des problèmes. Donc, on est en face à une situation industrielle très grave. Et deuxièmement, sur le plan économique, ça ne passe pas. Maintenant, si le pays s'obstine, moi, je veux dire, je suis pour rien, quoi. Ouais. Merci, c'est très clair. Antoine, est-ce que tu as déjà récupéré des questions? Ah oui. Je vous propose qu'on... Voilà. Alors, il y a une question qui est intéressante là, parce que justement elle rebondit sur ce que vous évoquiez, Bernard, sur le photovoltaïque. Il y a quelqu'un qui demande: les énergies renouvelables sont-elles si vertueuses du point de vue environnemental? La production de panneaux photovoltaïques n'est pas neutre. Voilà. Est-ce que est-ce que des filières de recyclage de ces panneaux, etc. Est-ce que c'est quelque chose? De plus en plus, le recyclage est exigé, il est mis en place, et il n'y a aucune comparaison entre les déchets relatifs aux installations photovoltaïques et éoliennes avec les installations nucléaires. Je veux dire, il n'y a pas de comparaison. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux arriver au fait que les panneaux soient fabriqués au moins en Europe et pas forcément en Chine. Mais, je veux dire, il n'y a pas de comparaison entre ces différents moyens de production. Alain, vous voulez réagir? Oui, non, mais là, effectivement, vous avez gentiment d'accord. Mais simplement que la question, quand même, elle n'est pas anodine. Parce qu'il est vrai que, par exemple, toutes les éoliennes en mer, elles utilisent des terres rares, le néodyme comme aimant. Oui, non, mais les véhicules électriques, eux, utilisent aussi du néodyme pour leurs aimants. Et donc, je veux dire que ça accompagne aussi une électrification de notre mode de vie avec les véhicules électriques. Et est-ce que les éoliennes auront pour fonction d'alimenter les véhicules électriques? C'est un problème quand même qui se pose pour l'avenir. Si on fait des éoliennes pour nous éclairer, pour faire tourner certaines machines, c'est très bien. Mais si c'est pour continuer avec le véhicule électrique comme avec le véhicule thermique, je ne vois pas tellement l'intérêt et de peupler notre paysage d'éoliennes. Donc il faut absolument... je veux dire simplement que il faut, derrière, il y a une métaphysique qui est en jeu. C'est la métaphysique de la démesure. Et ce que vous dites, c'est très important. C'est effectivement, il faut relocaliser la production, se rendre compte de l'énergie, de lier l'énergie à sa consommation. C'est une chose très importante. Et avec la manière dont on imagine l'avenir de l'électricité, c'est exactement l'inverse qui se passe. On va dans la démesure immédiatement. Hein, on fait d'énormes réseaux où on va lier les hydroliennes, enfin les éoliennes en mer ensemble, etc. On imagine le futur électrique des éoliennes comme celui de l'énergie nucléaire. Mais... C'est ça qui est absolument lamentable dans la représentation du monde qu'ont nos politiciens. Mais en fait, vous marchez tous les deux sur les deux jambes, à la fois de développer des... L'idée, c'est de développer une production qui est moins impactante, moins polluante, et de l'autre côté, de faire attention à ce qu'on consomme. Ouais, donc, ça, ouais. Sur la question, alors justement, j'en profite, sur la question de la sobriété, Alain, parce que c'est cette question qui est au cœur de cette discussion aussi, qui s'accompagne de ce mot qui a souvent été un gros mot, la décroissance. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, parce que ça aussi c'est intéressant, ou post-croissance, disait Dominique Méda hier soir à La Bellevilloise. Oui, je suis d'accord avec Dominique Méda, mais enfin, avant, je n'osais pas dire que j'étais chroniqueur sur la technique dans le journal La Décroissance. Quand je ne partage pas toutes tes idées, hein, mais en tout cas, je n'osais pas le dire. Maintenant, j'ose le dire. La décroissance, maintenant, a acquis ses lettres, je ne dirais pas de noblesse, mais en tout cas, le droit d'être utilisé dans un milieu public. Et le terme décroissance est un peu de la provocation. En fait, c'est ne pas se laisser aller à la folie, au délire de la croissance. Hein, c'est le PIB, maintenant, c'est plus la peine de refaire... Enfin, on devrait continuer à faire à faire la critique et à décrire ce qu'est le PIB dans toutes ses nuisances intellectuelles sur le plan économique. Mais ça, c'est autre, on le sait bien maintenant. Mais ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de penser le monde sans le PIB, de penser le monde autrement, et en particulier, donc, ne pas chercher l'innovation. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'innovation qui produit le PIB, parce qu'on vend des choses, et donc on fait monter le PIB. Non, arrêtons notre délire innovateur, arrêtons les smart, mais je ne sais pas si on peut les arrêter, hein, enfin, tous les smart qui nous éloignent de la décision, hein. Les smart, c'est les plus bêtes, hein, c'est les choses les plus bêtes qu'on puisse imaginer, et elles s'appellent smart, hein, bon, intelligent. Hein, bon. C'est clair. Il y a une question technique sur... Bernard, vous allez certainement pouvoir nous éclairer là-dessus, sans faire de mauvais jeu de mots. Comment gérer le caractère intermittent et aléatoire des énergies renouvelables ? On entend toujours dire oui, les éoliennes s'arrêtent, il n'y a pas de soleil la nuit. Bon, d'abord, ce n'est pas intermittent, c'est variable. Cette variabilité, pour le photovoltaïque, elle est assez connue. C'est essentiellement le jour et la nuit. Et pour l'éolien, on a quand même de plus en plus de très bonnes connaissances pour des prévisions à court terme qui font qu'on est assez bien informé sur la production qu'il va y avoir le lendemain matin. Alors, cela dit, ça existe, la variabilité, jour et nuit, et vent ou pas vent. Signalons que le nucléaire n'est pas innocent par rapport à ça, puisqu'il y a sans arrêt des arrêts subis des réacteurs nucléaires à cause de panne. Il y en a à peu près un par jour. Et là, c'est d'un coup 1000 mégawatts. Donc c'est bien autre chose que le vent qui se calme en mer du Nord. Mais admettons la variabilité. Alors la réponse à la variabilité des énergies renouvelables, elle est de plusieurs... La variabilité est vraie pour une éolienne. Bon, vous voyez une éolienne, quand il n'y a pas de vent, il n'y en a pas. C'est déjà un parc d'éoliens, je ne sais pas si vous les regardez, il y a quelquefois 3 ou 4 qui tournent et 1 ou 2 qui ne tournent pas, parce qu'il y a des phénomènes locaux. Si vous prenez l'ensemble des éoliennes d'un pays, il y a très forte compensation entre le vent d'ouest, le vent d'est, le vent du nord et le vent du sud. Donc il est très rare qu'il y ait une baisse générale sur un pays, et c'est encore plus vrai au niveau européen. C'est-à-dire quand vous avez les éoliennes de la mer du Nord, des éoliennes qui peuvent venir d'Espagne, des éoliennes qui fonctionnent sur l'ensemble du territoire français, vous avez des compensations. Ensuite, vous avez la superposition entre elles des différentes énergies renouvelables. C'est-à-dire, il y a l'éolien, dont on vient de parler, le photovoltaïque, dont on vient de parler, il y a l'hydraulique des fleuves qui, lui, peut être commandé, c'est-à-dire compenser en partie les productions qui diminuent pour les deux autres. Vous avez les centrales à biomasse et à déchets, qui fonctionnent comme des centrales à charbon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de question de variabilité. Et donc, elles peuvent compenser également l'équilibre. Et donc, vous arrivez finalement à des scénarios, ce qu'on appelle des scénarios, y compris pour la France, 100% renouvelables, qui n'ont pas cet inconvénient. Donc, je vous conseille de consulter le scénario Negawatt, qui est très bien fait du point de vue professionnel et qui montre à la fois la réduction de la consommation, dont j'ai déjà parlé, et puis petit à petit l'arrivée des renouvelables. Entre parenthèses, il y a une baisse de la consommation d'électricité dans le scénario Negawatt par rapport à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier électricité. On fait des systèmes de transport qui ne reposent pas forcément sur la voiture électrique, qui en grande partie est une connerie. Et donc on a un développement de transports collectifs, des transports éventuellement avec d'autres sources, etc. Donc il existe une vision d'avenir, y compris pour la France, qui est jouable. Simplement, il faut que chacun s'en empare et la soutienne, et en particulier comme des associations comme Énergie Partagée, qui est une association qui aide les citoyens et les communes à monter leur projet d'énergie renouvelable localement. Et c'est une association qui est très active, qui a un outil financier qui prend des parts dans les projets en question. Donc on peut très bien imaginer une plus grande généralisation de cette pratique qui rapproche, ce que vous disiez, qui rapproche le consommateur est aussi producteur, c'est-à-dire il arrive à gérer son système énergétique sans être dépendant de la centrale de je ne sais pas où, qui peut en plus s'arrêter parce qu'il y a une vanne qui n'a pas fonctionné. Alain voulait réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Non, je voudrais simplement aller dans le même sens. Le micro. Je voudrais simplement aller dans le même sens. C'est-à-dire que le combat que l'on mène aujourd'hui pour essayer de rentrer dans une sagesse technologique, c'est un combat intellectuel aussi. C'est pas du solutionnisme technologique. On en parlait. C'est pas que de la techno. C'est pas de la techno. C'est changer sa représentation du monde et son rapport à l'énergie. Ça, c'est très important. Je pense que le combat, il est là. Alors, on nous dit, mais ça ne tient pas, vos trucs, ça ne marchera jamais, et tout ça. Mais évidemment, si on nous empêche de penser, ça ne marchera jamais. Mais il faut penser dans les termes qui viennent d'être dits et dans le terme de retrouver une sagesse énergétique. Alors, ce qu'on a fait avec l'association Global Chance, qui est créée en 1992. La chance de créer un nouveau système énergétique. Merci. Alors, on va prendre une dernière question. Là, j'ai deux questions. Bon, elles sont un peu... on a déjà évoqué ces problématiques-là tout au long de notre rencontre. Il y a quelqu'un qui dit « Arrêter le nucléaire semble une aberration. Jamais les énergies renouvelables ne pourront satisfaire les besoins en énergie par rapport à une augmentation de la consommation. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour les batteries électriques de voitures ?» Mais je crois que vous avez bien évoqué tous les deux la question de la mobilité électrique et la question... Voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu... c'est une question... Je la donne parce qu'elle est importante. Et une autre question qui fait écho à cette première, c'est quelqu'un qui a une question précise autour des petits réacteurs nucléaires qui équipent les navires et les sous-marins militaires, dont cette personne nous dit qu'elles sont fiables. Alors, moi, je ne connais pas cette solution. Peut-être vous pouvez nous répondre. Oui, on parle beaucoup actuellement de ce qu'on appelle avec le sigle anglais SMR, des petits réacteurs modulaires. Alors les petits réacteurs, ça existe. Les petits réacteurs nucléaires, ça a été développé essentiellement pour les besoins militaires, c'est-à-dire les moteurs des sous-marins nucléaires, d'abord américains, puis français éventuellement, et les moteurs du porte-avions Charles de Gaulle. Ce sont des petits réacteurs qui... une puissance de 50 mégawatts par exemple, qui sont à l'uranium enrichi et à l'eau. Donc comme les grandes centrales nucléaires, mais avec des dimensions moindres et de l'uranium plus enrichi. Donc on sait faire des petits réacteurs nucléaires, simplement ça coûte extrêmement cher. Donc proposer des petits réacteurs nucléaires, on peut le faire, on peut faire des petits réacteurs nucléaires. Ça prendra du temps pour les mettre au point parce qu'il y a des problèmes de sûreté. Il faut faire attention que ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne sont pas dangereux. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne produisent pas des déchets nucléaires. Donc, si vous voulez, ils présentent à peu près les mêmes inconvénients que les autres. Alors, bien sûr, le prix, comme pour les applications militaires, que ce soit les années 50 ou aujourd'hui, le prix n'a pas d'importance. Enfin, vous le savez bien, hein, on se paye des... on se paye des trucs ruineux pour des besoins soi-disant de défense, mais c'est un autre problème. Donc on peut faire des petits réacteurs. Alors l'idée de faire des modulaires, c'est-à-dire ce seraient des réacteurs qui seraient tous identiques, donc qu'on pouvait fabriquer en usine, les pièces fabriquées en usine, comme un Lego, et donc les monter à l'avance et les déposer un peu partout. Alors ça c'est encore discutable. D'abord, sur le plan technique, il faudrait un nombre de commandes considérable pour pouvoir s'offrir une usine qui fabriquerait ces trucs à la chaîne. On revient, enfin c'est encore pire, quoi. On revient à une chaîne qui fabrique des réacteurs comme des casseroles ou des marmites. Et donc, le risque, c'est justement de les mettre dans des pays qui ne sont absolument pas capables et qui n'ont pas envie d'être capables. Qui n'ont pas les moyens de les entretenir. Qui n'ont pas les moyens de les surveiller et de les contrôler. Donc, c'est une très mauvaise idée. Mais c'est à la mode. En particulier parce que M. Bill Gates est très favorable et a donc un modèle qui est prêt à être éventuellement vendu. Donc, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter absolument parce que c'est vraiment très dangereux, en particulier pour les pays pauvres. Alain, vous voulez rajouter quelque chose et ce sera le mot de la fin. Non, voilà, la responsabilité. Oui, oui, absolument, oui. C'est que, au fond, dans une centrale thermique, il y a du charbon. On voit quand même ce qui se passe. L'ingénieur, il voit ce qui se passe, il peut intervenir. C'est facile. Avec tous ces petits réacteurs, on ne sait plus rien. Plus personne, même l'ingénieur, il ne peut pas intervenir. Hein, c'est quelque chose qui est encore plus éloigné de nous que tous les autres produits énergétiques, que tous les autres matériaux énergétiques. On est vraiment dans le déni à un autre niveau de la responsabilité. C'est quelque chose où c'est un univers dans lequel on ne peut plus pénétrer, ni intellectuellement, ni physiquement. Il faut rendre les choses visibles pour pouvoir avoir une action dessus et espérer bien s'en servir. Alors écoutez, je vous remercie infiniment de cet échange qui fut court mais intense. Et je vous renvoie tous donc, à la lecture du récent ouvrage d'Alain Gras, La servitude électrique, du rêve de liberté à la prison numérique au Seuil. Et Bernard Laponche, je renvoie aussi à toute la documentation que vous mettez à disposition du public sur le site de l'association Global Chance. Voilà, donc je vous invite à aller consulter tous ces documents. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Non, c'était juste le site de Global Chance, c'est www.global-chance.org. Voilà, eh bien, et là, vous trouvez beaucoup d'articles sur ces questions. Merci à tous voilà, de votre attention et de votre présence et bon festival. C'est quoi la société qu'on veut? Où voulons-nous aller? Où aimerions-nous aller, hein? Ce sont les quelques questions auxquelles on va tenter de répondre au cours de débats. On est en train de passer dans la deuxième moitié de l'échiquier. C'est ce que j'appelle le scénario de la révolution technologique. Nous allons être obligés de prendre de plus en plus de risques pour la liberté d'expression. On peut se poser la question, est-ce qu'on est à un point de bascule? Est-ce qu'on est perdu?